La safety chez Amazon, c'est savoir travailler de façon sécurisée dans un environnement sécurisé. Ça va également jusqu'à l'hygiène, l'ergonomie des outils et des postes de travail. C'est parti, safety tip. Culture de London. Donc alerter dans sa zone de travail quand on voit quelque chose de non habituel. Ok, culture de London, je peux pas faire, je sais pas faire. Je tire London, c'est-à-dire que je demande de l'aide. Chez Amazon, on essaye de faire en sorte que le collaborateur soit vraiment mis au centre de la démarche, à tout point de vue. Le SMART, ce sont donc 5 principes qui permettent de corriger les gestes et postures et surtout de travailler sur la manutention de charge en évitant de se blesser. On a formé pour environ 6000 heures l'an passé sur la partie France. Qu'on dispense des formations habilitantes. Donc après avoir reçu une formation interne en pratique et théorique, je vais m'équiper de mes équipements de protection individuelle pour m'en monter sur un chariot. On travaille beaucoup sur l'ergonomie aussi des postes de travail. On a mis en place cet aimant pour supporter le scanner. On travaille sur des outils, notamment un outil de filmage. C'est un bâton de filmage qu'on a importé des États-Unis. En France, environ 130 heures par semaine sont passées par le management en discutant des risques safety directement avec nos collaborateurs pour les faire prendre conscience de leur environnement de travail et les rendre vigilants par rapport à ça. C'est la règle numéro 1. D'abord, on a les conditions de sécurité qui sont suffisantes et derrière, on peut faire du bon travail et aller livrer le client. C'est aussi très rassurant pour le directeur de site que je suis de savoir qu'il y a une organisation safety qui est stricte et appliquée au quotidien par chacun. Ça permet d'être sûr que nos collaborateurs sont en sécurité à chaque instant.